Ça se passe en Afrique au siècle des Lumières, des grands espoirs de liberté. Mais ici le héros n'a pas connu Voltaire, c'était un noble et fier guerrier. Il savait pister le gibier, fabriquer un arc et chasser. Il avançait dans la forêt, il s'appelait Kunta. Venait de donner l'épreuve de sa bravoure pour être un guerrier reconnu. Il cherchait un tronc d'arbre pour faire un tambour qu'il offrirait à sa tribu. C'est alors qu'ils l'ont pourchassé, ces hommes blancs et barbares. Attrapé, enchaîné et enfermé dans le noir. Sur un grand bateau blanc, il a franchi l'océan. Mais il a juré sur sa vie qu'un jour il reviendrait chez lui. Dans un nouveau pays, l'a fait débarquer pour faire du sucre et du coton. Mais faire un esclave ne fut pas aisé, il était vaillant comme un lion. Ils ont voulu changer son nom, effacer sa vie, son passé, mais il a toujours tenu bon. Les autres nègres ne comprenaient pas vraiment pourquoi il refusait son sort. Ils avaient oublié qu'avant d'être servants, leurs ancêtres étaient libres et forts. Kunta, lui, n'abandonnait pas. Il avait juré qu'un beau jour, il s'enfuirait de cet endroit pour prendre la voie du retour. Kunta. Sur un grand bateau blanc, il franchirait l'océan, car il avait juré sur sa vie qu'un jour chez lui. Et sans relâche, il a tenté de s'évader. Chaque fois, ils l'ont rattrapé. Ne s'échappe plus, ils l'ont mutilé en lui coupant le bout du pied. Alors il a fermé les yeux, serré les dents, serré les poings, et il a imploré ses dieux de l'accueillir en leur sein. Ça se passe en Afrique au siècle des Lumières,
des grands espoirs de liberté. Kunta.